Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a un plaisir, on le fait encore pour l'ensemble pour nous présenter au programme ça dans langue créole haïtienne qui c'est Rendez-vous Info, c'est dernier sorti nous pour ce maintenant. Et je vous dis, c'est vendredi 13 septembre 2024. Par bon ici au palais de Friday the 13. Et quel grand point cap marqué actualité. Haïti recevra hier jeudi à un groupe policier et militaire, 22 qui sortit Jamaïque et 2 Belize, pour rejoindre policier Kenya qui déjà sous place dans le cadre mission multinationale pour appui sécurité dans le pays d'Haïti. Zafè accusation républicain yo fait contre Haïtien dans Springfield, dans l'État Ohio, continue à provoquer réaction en Haïti et dans la diaspora haïtienne. Actualité électorale ici aux États-Unis, Parti démocrate là et Parti républicain a cherché sympathie jeune dans génération Z là qui a joué un rôle important dans l'élection présidentielle novembre 2024. Et dans Sénégal, président Bassirou Diomaye Faye dissout l'Assemblée nationale là et fixe nouvelle élection législative pour mois novembre cabine là. Et c'est point ça yo avec l'autre accord nous allons développer pour dans yon petit moment et premier point d'actualité, c'est Haïti recevoir hier jeudi à un nouveau groupe policier et militaire, 22 qui sorti dans le pays Jamaïque et 2 sorti dans Belize. Ils ont rejoint policier Kenya qui était déjà dans le pays. Nous allons rejoindre Steven Massado Vilme depuis Port-au-Prince. Tant que ça a été annoncé, il y a en total 24 militaires mélangés avec policiers qui sont partis du premier contingent pays Jamaïque là, qui arrivaient dans le pays à journée jeudi 12 septembre 2024 là, dans la mission multinationale appui à sécurité MMAS là. Selon les détails qui disposaient, il y a 24 là d'ailleurs ces militaires qui font partie de la force de défense pays Jamaïque là, avec 4 officiers police pays là. Cependant, il y a 2 autres qui sont policiers militaires pays Belize qui font partie de troupes là. C'est directeur général de police, Normil Rameau, a commandé en chef mission, Outengue Godfrey, qui était recevoir troupes là. La déclaration était faite en date 10 septembre passé. Le premier ministre pays Jamaïque, là, Andrew Holness, a fait connaître c'est en total 200 policiers et soldats payés à Cap Gué pour déployer dans cette mission. Après toujours dans Port-au-Prince, réaction continue à tomber sous scandale corruption BNC-CTPA et homme de loi, maître Jonas Revanche, lui-même, il souhaitait que 3 conseillers fassent retrait dans l'institution pour capable permettre que l'enquête là aboutit. Renan Toussaint, c'est correspondant à nous dans Port-au-Prince. 3 membres dans le conseil présidentiel transition hein, qui gagnent non cité dans le scandale corruption, hein, nous voulons parler de Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertilaire et Smith Augustin te répondent à une question jeudi 12 septembre 2024 là, pour une deuxième fois consécutive commission enquête unité lutte contre corruption ULCC sans présence accusateur Raoul Pierre-Louis, ancien président BNCA, qui était doué là dans le cadre d'un face-à-face avec 3 conseillers présidentiels par rapport à dossier 100 millions de gouttes là. Un ancien commissaire gouvernement juridiction Port-au-Prince, maître Jonas Revanche, qui analysait la situation, ça, quoi, conseiller présidentiel, yo, qui indexé dans le dossier, ça, t'as dû démissionner. N'a interpellé président CPTA tout. Jusqu'à présent, il y a un rôle pour jouer en tant que président. Peut-être qu'à faire l'entre eux, même si on n'a pas besoin de pousser de eux. Sinon, et peuple là, vous pouvez pousser de eux. Sinon, c'est même clamé public, ça, vous pouvez pousser de eux. C'est la force politique qui va résoudre la question. Donc, on n'en a pas besoin d'arriver là. Donc, nous avons assez de brigandage, nous avons assez, n'est-ce pas, de choses qui font la honte, n'est-ce pas, de nos dirigeants. Maître Jonas Revanche dit, si pas gagne rien qui fait par rapport à dossier ça, ça capable de gagner incidence très grave sous réussite transition. En tant que professionnel du droit, il y a intérêt pour être capable momentanément, démettre des fonctions, yo. D'ailleurs, ça va avoir une grosse répercussion sur la formation du conseil électoral. Donc, vous pas avoir des suspicions sur vous, et que qu'on y a là, on va le former l'autre institution. Donc, vous pas qu'on est mouni pas choisi, est-ce qu'elle pas qu'on t'y va en bas, on veut toutes ces suspicions pour retirer. Deuxième problème qu'on va gagner, pas oublier, gagner, il y a une là-dedans qui gagne en octobre là pour la fonction.
ou non blocage total ou stérilité totale. En tout cas, ULCC entend convoquer pour une nouvelle fois ancien président conseil administration BNCA avant de fixer sous enquête ça d'après information qui est disponible. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Fon dit que avocat monsieur Pierre Lieu dit que eh ben yo pas qu'à aller yo l'a demandé pour démission ou bien révocation trois membres conseil présidentiel transition yon dossier qui toujours nan actualité a. Et l'autre point nan actualité a gagné premier ministre Gary Conny ak DGPNH là eh ben yo multiplié rencontre ak partenaires internationaux sous grand défi pays a confronté journée jodia notamment des questions phénomène insécurité a nous parlons rejoindre Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Premier ministre Gary Conny rencontré hier jeudi un représentant ambassadeur grand corps diplomatique qui accrédité dans pays d'Haïti selon une note qui sorti bon côté la primatie discussion yo pendant rencontre là téchita sous processus conférence nationale réforme constitutionnelle avec organisation élection générale en dans pays hein. Monsieur Conny également abordé stratégie financement grand chantier qui gain pour avec feuille de route gouvernement et transition politique là pendant rencontre là dans cadre coopération internationale en directeur général à la police nationale d'Haïti Nomil Ramo avec sous-secrétaire général dans affaires politiques Nations Unies monsieur Miroslav Jena gagné une rencontre qui organisé tout pendant rencontre là directeur général Nomil Ramo réitéré détermination police nationale d'Haïti pour capable mettre toute bagaille en place dans l'idée pour rétablir l'ordre avec la paix publique sur toute étendue territoire national là. De l'autre côté, numéro 1 police nationale l'a rencontré pendant semaine William O'Neill, expert Nations Unies sous situation droit moun dans pays d'Haïti. Selon un communiqué qui sorti en bas plume la police, gen plusieurs sujets qui étaient abordés sous question droit moun. Expert Nations Unies William O'Neill avec directeur général police nationale d'Haïti, yo boukante la parole sur divers défis institution la police là a fait face notamment respect droit fondal natal. Pendant semaine nan tout n'a souligné gagné un contingent soldat jamaïcain qui rentrait dans le pays d'Haïti dans perspective pour renforcer capacité opérationnelle force multinationale là cap aider police nationale d'Haïti dans cadre bataille pour couper phénomène insécurité. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. On dit que pendant ce temps, il y a un projet de résolution que États-Unis avec Équateur, yo même yo patronné pour eh ben mission multinationale qui est dans le pays d'Haïti, eh ben elle t'a transformé en mission la paix l'ONU. Donc dossier ça les dans mes conseils sécurité a donc il y a bien pour yo prendre un vote sur lui et bien que date là nous pour qu'on aime. Et puis ça fait accusation que républicain ou la gay sous dos et haïtien dans petite ville ça Springfield dans état Ohio comme quoi yo tué chien yo mangé chat et ben question ça a continué à provoquer en pile réaction en Haïti et dans diaspora haïtienne. Obed Lamy c'est envoyé spécial VOA Creole dans ville Springfield dans état Ohio. Ville Springfield est toujours sous la garde journée jeudi 12 septembre alors que situation migrant haïtien continue à faire débat. Là nous devant mairie Springfield là qui ferme pendant presque toute journée jeudi 12 septembre à cause yon menace bombe qui était faite bien bonnet dans matin, ça c'est la cause que autorité ont décidé évacuer espace là et puis venir avec unité spécialisée pour essayer évaluer situation. Nous parlons avec une résident Villain qui expliquait nous qui ça le matin. There were several police cars out in around. L'entrée là, me dit plusieurs machines la police entre les buildings. Et sinon bouche monde m'a pas prendre, c'est peut-être une menace bombe. Donc il faut fermer building là pour toute la journée. Pas vraiment gain plus information sur ça. Dans une publication sur Facebook, la police Springfield a confirmé information sur menace là. Mais situation ça la cause qui est cassée dans la communauté haïtienne, côté quelques monde t'a déjà rapporté menace sur Tavassibi. Alors bien entendu, Jean de Baye ça a limité communauté haïtienne non esprit de peur. Vous avez remarqué la rue Jean Fret, le plus souvent qu'on voit haïtien qui a monté descend à pied dans la ville là pas ouais. Ils ont Jean peur parce que menace bombe n'est pas dit c'est pour haïtien lié, mais donc c'est peut-être quelques extrémistes qui menaçait comme si yo senti voyou et mairie a pas tant de voyou assez yo pas tant de doléances yo pas essayer montrer yo comprendre yo donc il a fait des menaces pour ouais si yo ta faire
autorité au marché. Sous bon côté Payo, résidence Springfield, yo, tant que Suzanne, toujours continue plaindre pour quantité haïtien qui débarquent dans zone là. If we say it, you know, we're concerned because of the influx, the sheer numbers of Haitians. If we're white, we're called racist. No, these are issues. It wouldn't matter what color the people were. It is the volume, it's the total numbers that we're dealing with, and we do not have the support services. Mais qu'on est à sécurité était une grosse préoccupation pour la population haïtienne. C'est une revendication Jeannot dit au déporté devant conseil la mairie dans une session qui était faite mardi 10 septembre. Il y a une carence dans la police et zone là. Yo conscient de ça tout. Nous demandé pour chercher de fonds fédéral ou bien state pour investir dans la police département pour faire recrutement parce que le nouer les polices non seulement la police a venir après 30 45 minutes mais le au fin temps de nous, yo ban nous caisse. Yo ban nou numéro caisse pour détective ou bien ça nous relé enquêteur t'a fait suivi le plus souvent suivi ou pas fait le suivi ou pas fait comme ça nous inquiète nous senti que c'est et yo prend nous à la légère mais c'est pas vrai c'est yo même qui a un petit problème y a dit la veille dans niveau city à tout qui cause gens de bail ça yo Obed Lamy pour VOA Creole depuis Springfield Ohio. Merci Obed Lamy. Obed Lamy c'est envoyé spécial VOA Creole dans Springfield, dans l'État Ohio. Donc c'est une question qui continue à dominer l'actualité à côté réaction absouti tout partout en Haïti et dans la diaspora haïtienne. Côté que eh ben il a dénoncé tout aspect pour yo qui pas bien campé par rapport à accusation ça. Ou sous VOA Creole, on suit un programme dans langue créole haïtien. Jeudi à ce vendredi 13 septembre 2024, restez branchés, n'a pas venir avec actualité internationale. Merci d'être toujours branché sur VOA Creole ou à suivre un programme dans langue créole haïtien qui c'est rendez-vous info dernier sorti nous pour ce maintenant et nous saluons tout le monde qui dans moment ça et ben à suivre nous ou bien tout l'autre monde qui après le suivre nous en différé. Actualité électorale ici aux États-Unis, eh ben gain jeune électeur yo qui fait partie ça relé par bon ici génération Z là, eh ben capable faire une différence dans élection novembre 2024 là. Jean-Robert Philippe dit nous, républicain ak démocrate yo a cherché convaincre segment électeur ça yo pour voter en faveur. Jean-Robert Philippe. 41 millions jeunes américains qui ont en 18 à 27 ans a qualifié pour voter dans l'élection novembre 2024. Analyse fait connait nouveau groupe électeur ça yo capable faire une différence dans l'élection présidentielle là pas pour tête l'âge mais pour ça jeune ça yo représenté. The younger part of the population is going to become much more racially diverse than William Frey qui travaille pour Brookings Institution par les bouddhis groupe qui plus jeune dans population pour avoir plus mélange race comparé avec génération qui gagne plus l'âge et qui est les baby boomers. We're talking about a really diverse University dit qui donc parce que moitié jeune dans génération Z là c'est mon couleur yo environ un cinquième parmi eux identifié tête yo comme membre LGBTQ donc on connaît n'a parlé de une génération qui vraiment gagne pile diversité mais nous pas arrêté sous identité raciale yo mais sous connaissance avec expérience avec vision yo sous réalité a. Pendant Alberto Medina qui a parlé de toute diversité, groupe, secteur qui est dans la population, il a ajouté que presque moitié dans la génération Z là, a créé nouveaux électeurs qui qualifiaient pour l'élection 2024, c'est jeunes monde couleur qui qualifiaient pour voter dans l'élection 2024 là. Historiquement, jeunes électeurs n'ont pas voté en pile dans l'élection, tant qu'électeurs adultes. Mais jeune génération, ça a montré les plus actif politiquement que ancien génération yo. Professeur Medina a ajouté que une histoire qui était plus paraître dans la presse sur élection passée yo, c'est une gros augmentation dans participation jeune électeur yo. Par exemple, environ 39% dans yo t'es voté dans élection 2016 yo et puis 50% dans élection présidentielle 2020 yo. Dans l'élection mi-mandat pour membre congrès, donc les pas gagné course pour poste présidentiel là, jeune était plus actif dans politique passée génération avant yo, les était dans l'âge ça, les yo tap voté première fois dans une élection mi-mandat.
élection 2022, c'est la première élection mi-mandat côté génération Z là te gagne l'âge entre 18 et 24 ans. Plus passé 28% nan yo te voté en 2022. C'est plus gros participation par ces générations millénial là, génération X là avec baby boomer yo. 28% des électeurs qui étaient qualifiés pour voter en 2018 ont voté. Dans l'élection mi-mandat 2022, jeunes électeurs en général ont voté pour candidats démocrates plus souvent que républicains, mais plus jeunes électeurs, mesdames, ont voté pour démocrates parce que jeunes garçons. William Frey, dans le bouquin Institution, parle pour dire si Kamala Harris est capable de faire un souci à voter, probablement, Pifon a eu pour voter en faveur, parce que le pourcentage qui a voté pour Joe Biden. Analyse se fait qu'on est sans voix jeune électeur, républicain est capable de remporter l'élection mi-mandat 2022. L'engagé élection présidentielle 2024, dernier sondage fait croire que vice-président Kamala Harris n'a tête intention de voter devant Donald Trump parmi jeunes électeurs. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Donc c'est ça qui VOA Creole n'a pas tout aspect dans élection présidentielle. Ici aux États-Unis, hier nous parlons de mesdames, aujourd'hui nous parlons de jeunes. Donc toujours été branché sous VOA Creole pour capable gagner toute information sous élection ça. Et puis l'autre point d'actualité internationale, la Corée du Nord bayon aperçu que li pas fait facile sous programme nucléaire l'IA qui développé dans secret. Sandra Lemaire, quel détail. Média national en Corée du Nord publié vendredi image des deux pays à Kim Jong-un qui a visité l'Institut ZAM nucléaire côté l'été suivre essais en fusée et puis moyen ZAM qui n'a eu exposition force et spéciale. C'est une série image que l'Institut ZAM nucléaire publié a qui attiré plus attention. Rapport qui accompagnait Imagio dit Kim demandé qu'aucune augmentation ZAM nucléaire et puis chanté louange développement technologie centrifugio que yo servi pour créer matériel pour fabriquer ZAM nucléaire. Une autre série photo montrait Kim cap assisté dernier essai lancement fusée que Corée du Sud et Japon t'ai détecté tout. Monsieur t'a fait photo avec ZAM pendant soldat force spéciale t'a campé bon côté. Puis fort image yo, pas gain date sou yo et pas gain moyen pour vérifier yo. C'est média national Corée du Nord qui publie yo. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. Actualité amène nous dans la région Moyen-Orient. Côté Israël, défend attaque li fait sur yon l'école Nations Unies qui était tourné abri dans centre Gaza. Et li dit que toutes six et travail aide Nations Unies qui parmi 18 moun qui mouri yo, c'était membre groupe Hamas. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken dit li pral parler avec Israël sous question pour protéger espace humanitaire pendant la critique groupe que États-Unis désigné comme terroriste et li accusé comme quoi yo caché dans espace civil. Gentil Augustin Junior. L'école Al-Jaouni dans centre Gaza recevoir frappe plusieurs fois depuis campagne militaire Israël là t'est en main comme réponse pour attaque terroriste Hamas 7 octobre 2023. Dernière attaque là, mercredi qui s'est passé ya, quitté 18 moun mouri. Palestinien ça, qui pas bay non li, ta fouillé dans débris yo. Li di. C'est un sac plein à cadavre moun qui t'est tombé dans attaque sous l'école là. Nous gen 340 jours kounye ya, depuis n'a traversé l'enfer. Nations Unies dit 6 nan moun ki mouri yo tap travay pou UNRWA, Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens yo. Et parmi yo, manager abri ya. Environ 12 000 moun te pran refuge nan l'école la. Autorité Israël revendique attaque la comme quoi c'est yo qui te lancé li. Et dit travailleur aide yo c'est membre Hamas. David Menser,
porte-parole gouvernement Israël l'a dit. When a school is no longer a school, l'ayon l'école pas l'école encore et puis li vin tourner yon centre commande ak contrôle terroriste que Hamas utilisé pour planifier ak exécuter attaque terroriste contre troupes nou yo ak pep nou an ici nan état Israël là. Laisse ça si nous attaquer c'est yon attaque légitime. Nations Unies pas ni confirmé ni démenti accusation Israël là qui fait qu'on est employé ou noir qui mouri yo c'est même Hamas. Hier j'ai dit ya Secrétaire d'État américain Anthony Blinken mandé encore yon suspend tiré et puis li critiqué tout des partis. We need to see humanitarian sites. Nous devons protéger espace humanitaire yo. Et ça c'est un point nous continuer soulever ak Israël. Nous continuer ouais Hamas caché dans espace sa yo. Prend contrôle et puis servi ak yo pour faire opération li yo. Autorité Israël yo pas jam suspend akize travaille ou noir yo comme quoi yo se allié groupe militant Hamas nan Gaza. Pendant ce temps, Tiki akize Israël et li annonce propre enquête pali sous la mort Haysenou Exi Egi, yon militant Tik américain que force israélien yo te touye semaine passée ya pendant yo t'a protesté contre construction colonie yo nan Cisjordanie occupé. Tayyip Erdogan président Tik la dit nous pral prend toute mes illégal pour assurer que sans Haysenou Hezgi Hegi nou an parete a terre. Campagne Israël nan Gaza rive sous 11 mois malgré pression États-Unis pour départi yo rive joine yon entente pour suspendre tiré et pour Hamas bo côté pali la gè otage li kenbe yo. Patsy Wida Kusawa, VOA News, Maison Blanche, adaptation créole, Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Dans Sénégal, président Bassirou Diomaye Faye, eh ben, il dit sous l'Assemblée nationale là, et fixé nouveau élection législative pour mois novembre. On a loué ça à peu près. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution, et après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité, je dissous l'Assemblée nationale. Oui, président Bassirou Diomaye Faye, qui était élu en mars dernier avec promesse pour porter bon changement dans le pays, a annoncé les dissoudre l'Assemblée nationale et fixer nouvelle élection législative pour 17 novembre 2024. Dissolution ça visée pour joindre une majorité stable pour le gouverner alors que la législature écrasée a été pris pouvoir en 2022 côté quand ancien président Macky Sall là Macky Sall qui paraît même, eh bien, quand ça a continué à dominer. Je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promise. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est venue d'ouvrir une nouvelle temporalité à notre quinquennat. Président Bassirou Diomaye Faye parlait comme ça dans un discours qui passait sous télévision nationale côté il y ajouté blocage qui arrivait dans dernier jour passé là-haut dans l'Assemblée nationale là convaincu que réaliser une collaboration franche et sincère avec majorité parlementaire c'est un rêve. Chef l'État 44 ans profiter dénoncer mauvaise gestion ancien président Macky Sall dans finance pays. Et ils promettent la publier rapport ça qui joigne approbation cour des comptes. Gain réaction département qui sortit sous dissolution ça qui sous première page tout journal pays. Je trouve une telle décision sage, la dissolution de cette assemblée là est tout à fait normale. Je trouve une décision logique dans la mesure que pour leur permettre de bien diriger, ils prennent peut-être état le mort à la vie. Tant que nous attendons là dans la langue française et dans l'autre langue pays, puis fort moun croit que c'est une bonne décision. Mais il y a l'autre qui dit qu'il était qu'à quitter législature fini mandat 5 ans là parce que yo même tout, yo était élu démocratiquement. Il y a l'autre voix qui dit Premier ministre Omar Sonko
te doit faire déclaration politique générale devant député yo et dit qui jan gouvernement là pral fonctionner qui jan pral résoudre problème pays a. Et s'il est pas convaincant, président Fay t'es capable choisir yon l'autre premier ministre, ça veut dire que l'état prend yon vote censure. Mais premier ministre Sanko t'es déjà dit que pas gagne bagaille comme ça, pas gagne vote censure parce que l'était déjà connaît que président Fay t'a pral craser 14e législature. Et je puis vous assurer qu'il n'y aura pas de motion de censure d'ici le 12. Et que le 12, s'il plaît à Dieu, ces gens auront autre chose à faire que d'être député à l'Assemblée nationale. Sénégal a vécu une nouvelle page dans l'histoire pays, surtout avec une nouvelle équipe gouvernementale là, qui gagne en tête le président Bassirou Diomaye Faye, avec le premier ministre Omar Sonko. Et puis, il faut dire que dans le moment où on a parlé là, il y a 39 personnes qui mourent pour pipiti dans un naufrage bateau qui a transporté illégalement immigrants dans la direction l'école, dans la direction l'Europe. Plutôt, recherche a continué, autorité a dit que bilan capable pis salé que ça. Et vous souvenez, vous avez suivi un programme dans la langue créole haïtienne, et puis je vous dis, c'est vendredi, c'est l'heure pour nous connaître ce qui a passé dans l'industrie musique haïtienne, et Chemaïla, avec Jude Déoncé. Valence Fleurimont, alias Vague la Vie, artiste rap créole, t'est performé dans ville North Miami week-end passé. Après performance, le rappeur a été dans micro vé wa créole et fait connaître que mouvement rap créole n'a pas avancé Jean Tadouéa. Il fait connaître que en pile mélomane plus sous dans ses compas que tant des rap créole. Là nous même nous gars doit un message dans aborder là dans compas mais quand même on danser. A dit rap créole là son mouvement révolutionnaire, son bagaille pour révolter contre ça qui passe. Nous même nous allons mettre petit fougla dans nos vallées des rades, mais nous avons plus sous danser, parce que nous avons plus sous venir retirer stress. Vous comprenez même pas du mouvement rap là, pas un bel mouvement non. Après, il faut que qui dans rap qu'on y a venu nos petits gens mélangés, bah yo petit compas mélangés, petit trap compas, petit bah pour arriver sous mon plus. Vous comprenez comment ça. Bon, depuis dernière musique entrée toute là, qui te font un bel hit, c'est comme si nous t'adou là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas fini dans d'autres longtemps, ou du coup on a serré pour qu'on ne pas être à notre bagage là. Non, non, fait bah bon, nous tout là, on musique la vidéo qui se gère c'est debout. Au revoir, nous de la gueule là, mais c'est pas notre dans spam non. Nous devons faire un message passer, mais pour qu'on y a là, nous avons quelques rabodai qui n'ont ou la cap vini, bagasse le grand Jean peuple à remel, bonne beauté pour nous sous machia. Et ça fait pas plus ça de nous. Tant yo de nous moins, c'est plus notre travail. Vous comprenez? Dans le moment que nous vivons aujourd'hui, quel message vous avez pour Haïti en général, pays d'Haïti surtout? Bon, message je trouve bon. Chaque jour, nous avons un message pour Haïti, nous avons chanté pour Haïti. Et nous avons des gens qui ont fait des choses. Nous avons 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 fait des choses. C'est changement nous tout à voter. La caille, nous avons fait des choses. C'est la caille, nous avons fait des choses. Nous avons fait toute énergie, nous avons besoin, mais dommage. Nous partis, nous pas voyager, nous partis involontaires. C'est donc que c'est mon yo mettez nous dehors. L'endé qu'on a voyagé, c'est l'endé qu'on décide à le faire TV touriste. Là, nous pas voyager, nous partis. Parce que l'endé dans l'autre pays, nous tous confiés pour nous faire ces selfies, nous ces vidéos, pour nous dire là. Mais l'endé dans pays nous, l'endé finale, nous plus j'ai lagué de là. Donc comme d'Haïti 9 juillet, et l'endé monté 17, m'lagué vidéo pour passer m'la actuel. À ce qu'on pire, c'est là la caille ou vaca. Mon toi vivre parce que d'ailleurs mais toi elle fait photo bon monument historique nous tout mais les niveaux l'autre côté ne plus à vendre image l'autre côté où nous même les niveaux la caille nous dit qu'être nous pas besoin qu'on est si nous là qui obstacle nous car je n'ai l'en finale n'a pas d'inté là mais j'ai longtemps les artistes ont des années été rares à venir pour airport on prend les artistes à fierté pour des trois battre nos vins pour bagaille et qu'on y a venu en cachette au côté venir autour de la caille où 8 est couvert fait et ça fait l'eau là tout. Ou vin produit moins, on moun di ba imagine, parce que en habitation, ou jwenn tout sop chèche ya, ou ka la Haïti ou fon mizik, ou li vin jwenn l'abandon la, ou fon mizik pou l'rive jwenn Haïti le difficile. Parce que de l'en Haïti n'a voué la, ou moutou, ça veut dire la tout. Par contre, ou on moun ki tout la bie passe la, bah oui. Pour toute nouvelle, sauvé d'être yon, et Chemaïla, non, non pas, c'est juste de on serait pour Vewa Creole, Miami. Merci Jude, Vague la Vie.
et avec Jude Deonstré depuis Floride. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans le programme. Nous avons remercié tout le monde qui a participé dans le programme. Nan. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Nous avons souhaité nous passer un bon week-end. Et puis, Jean-Robert Philippe Remedy, nous, si nous conduit pas bois, si nous pas conduit, et puis rejoignez-nous lundi. Mais en attendant, consultez toute plateforme nous pour nous capables de gagner dernier point sous actualité en Haïti et à l'étranger. Moi, c'est Jacques Lambézère. Bonsoir. Si on met dans la base, mais qui ont ensemble des opérations que DCPJ a mené, et dans ce sens, il a posé la passion en pile anti-individu, et en pile nec qui a mis au trempé dans des actions criminelles, actions associations malfaiteurs, côté que de nec pour plaisir tout, dans monter réseau qui a poussé mon faux chèque, qui a poussé mon faux document pour capable voler l'argent moun, et dans ce sens, la police DCPJ continue à mener des opérations pour capable démanteler les bandits criminels, assassins, qui a des problèmes en de pays. En même temps, tout des Sivenes, n'a dit que dans le jeudi 12 septembre 2024, là, Jean Saté a annoncé, eh bien, que plus passé, on dit, on vêtait un soldat à l'armée Jamaïque, mettait avec deux polices dans le pays Jamaïque, mettait avec Belize, mais qui débarquait dans un avion 4-côte américain dans le pays d'Haïti, jeudi 12 septembre 2024, là, dans l'idée pour venir renforcer. Officier Kenyan dans cadre mission multinationale soutien sécurité à Haïti qui donc nous capable dire que bien que gars pile critique dans question mission ça mais nous capable c'est pas qu'on goûte que officier a vini soldat a vini moyen a vini mais dans l'idée pour capable aider la police là aider l'armée d'Haïti dans bataille contre question insécurité que peuple haïtien connaît depuis quelque temps des Sivenes dans situation qui développé dans commune Cité Soleil dans soirée mercredi 11 septembre, et puis pour l'ouvrir jeudi, qui était 12 septembre, non. Des Ivenes, laissez-moi dire que, en pile moun prend balle, en pile moun mouri, non Simon Pelé, non Boston, non Belécou, mettez ensemble avec, on dit que, non pile l'autre côté, en dans Cité Soleil, plusieurs chefs gang mouri, plusieurs tout fait mouri, et plusieurs membres dans la population civile mouri, les que exactement, mais bataille qui déclenchait entre groupes armés criminels dans Cité Soleil. J'ai regardé sur l'écran là, mais c'est avion garde-côte américain qui débarquait sous tamac aéroport international, non, qui portait soldat l'armée jamaïque et baba no menti l'on garde dans comportement soldat l'armée jamaïque ou capable de gros différences en tant que bon militaire qui nèg débarqué dans pays DG Ramon Amin qui c'est DG la police mettait avec chef mission monsieur Godfrey Otunge mais il était présent pour t'aller recevoir mais soldat l'armée jamaïque mettait avec deux soldats l'armée Belize qui ont même tout débarqué dans pays qui vient renforcer mission ça et prendre bataille pour capable combattre contre question insécurité, désir venez ça. La situation dans un pile monde déjà à Pebaye, point de vue, souvenir et policiers militaires qui sont dans le pays Jamaïque avec Belize. Un pile monde a dit est-ce que ça peut être le résultat que vous souhaitez parce que vous fait mention des 380 officiers kenyans qui sont dans le pays déjà. Jusqu'à présent, vous avez autant de travail que vous faites qui permet que vous arrivez à comprendre que vous avez rétabli la sécurité tout bon vrai. Est-ce que 24, parce que vous avez 20 militaires, 4 policiers qui sont dans le pays et Jamaïque, c'est ça qui était annoncé. Mais comme vous faites quoi gagner des policiers ou bien militaires qui sont dans le pays Belize, qu'on y en a prétendu, parce que Belize, il fait partie du pays qui t'a dû voyer policiers ou bien militaires ou bien officiers dans le cadre de mission pour dire définitivement combien de policiers qui sont dans le pays Belize, combien de policiers qui sont en Jamaïque, qui l'a la situation et combien de militaires qui ont eu pour venir augmenter effectivement qui permet que les peuples haïtiens vraiment gagnent une idée sous effectif qui déjà déploie dans mission et multinationale ou bien MSSA en dedans pays pendant Nations Unies continue à côté par eux, il a réfléchi à qui j'en le cap permet. Mettre que mission ça les transformer en une mission maintien de la paix Nations Unies tant que Jean Téyé les ministres là et en pile monde dit que ministre pas de côté trop bonne nouvelle par rapport avec Jean situation Téyé en dedans pays par rapport avec ensemble des sacs qui ont quitté comme dommage pour population maladie et puis petit monde que yo pratiquement violé ou quitté petit temps dans pays pour jusqu'à présent Nations Unies pas jamais réaction au mot sur question ça et bien peuple haïtien déjà gagné et des positions sous déploiement parti qu'on goûte qu'a fait dans quatre missions. La situation dans ça qui concerne les questions insécurité en dedans pays. La police qui mobilisait depuis un bon bout de temps, qui font travail de haut niveau pour qu'il y ait toutes les effets qui ont fait usurpation des titres, qui ont utilisé nos institutions pour être capable de faire affaire par eux, eh bien, plusieurs nègres ont pris un coup de code dans la question ça, pour ne pas exercer, ok? Des masques qui ont fait, pour ne pas exercer vicieux sous nom la police. Tant que madame Silla, qui presque 27 là, selon ça, elle dit,
depuis la utiliser non la police pour faire affaire, on croit en pile nous cap constater tata qui t'a déparler, il fait reparler, déparler, vider causer by de CPJ qui cap permettre au moins que la police a plus ou moins safe dans tout dernier moment si yo cap mettre main sous faux policiers qui dans la rue yo blesse personne. En pile monde tombé dans cité soleil. Blesse personne dans mi-temps journée hier. Mkwè, zami internaute kap gade kap tande toujours fidèle avec mes sac nouvel, yo te tande collaborateur nou et Fred Kelito qui t'a informé, qui te dit au moins confirmation soit 20 moun qui mouri, gen bandi la dan yo, gen map dans population civile là qui te nan cadre yon et événement footballistique qui te nan football, et malheureusement l'obè pété entre trois camps qui ap goumen ki gen zam nan men yo dans cité soleil et bien blessé son situation d'après très difficile. Même pendant journée jeudi 12 ans, situation était toujours était très compliquée dans cité soleil, moun tap couri, katouche tap tiré et gen des moun ki blessé pour jusqu'à présent et yo pourquoi à l'hôpital, gen des moun ke famille yo ap chercher qui dans espace là, yo par contre qui côté yo trouvé yo et jusqu'à présent la police pour qu'on cap interférer, entrer en dedans question dans cité soleil, soit pour aller mettre au là comme force de l'ordre, la situation son situation qui pratiquement préoccupé en pile moun sur ça qui a passé dans cité soleil là. Mais pour certains, yo dit que les différents prennent la candidat blanc, eh bien et petit Jésus-Christ yo doué joyer parce que c'est eux-mêmes quand diable a mangé. L'aime parler de quand diable, eh ben c'est bandi yo, l'aime parler de petit Jésus-Christ, m'a parlé de peuple qui cap victime tout partout à travers bandi cap fait ça ouvler accès à hôpitaux en dedans pays. Dans cette situation ça qui concernait conseil présidentiel transition, son j'ai trois conseillers qui dans scandale, eh ben qui un processus qui lancé pour remplacer docteur Louis Gérald Gilles dans conseil présidentiel et transition et qui pratiquement a progressé dans ça qui vient pour avec accord 21 décembre qui entend yo pour yo désigner trois candidats pour yo capable réussir. Yo gardé et Vicarson et gagné Majorie Michel ak Serge Delva Gaspard, c'est monde ça qui essayer donc regarder et qui aura ta de venir remplacer Louis Gérald Gilles. Mais en pile monde a posé cette question. Majorie Michel et pour venir diriger pays et pour faire office de la présidence et même blessé personne c'est un gros dégât dans la République. Mais on connaît quantité bagaille que monde ça fait en dedans pays déjà surtout dans bataille qui ont fait quoi qui ont mené pour te voir Jovenel Moïse Ali. Yon soi-disant bandit qui relé Gibens Lorjac qui était touillé, il veut perdre la ville en manant échange coup d'âme avec police nationale d'Haïti. Pendant une patrouille, routine qui t'a faite dans le marché public, dans la commune et les Iwa. Ok? Eh bien, c'est pratiquement, je viens avec Paris. Il t'a préparé pour assassiner les policiers. Et bien, pour moins ça cassant, les policiers mettent si haut. Et information fait quoi? Que policier, il y a un policier qui est blessé et dans les épaules dans la question ça. Et quand t'as pour bandit, il parle encore, il recevoir un balle dans la tête, blessé personne. Tant que Jean, en pile fois, nous tous n'avons pas tant de sécurité. Mais pas oublier. Directeur général de la police a demandé mariage population. Porte-parole et la police principale, porte-parole principale de la police, nous voulons parler de Michel-Ange Vigène, qui dit que question sécurité à l'Ipachita, sous armes, avec nec, avec uniforme, mais c'est tout le monde dans la population qui peut arranger, qui peut permettre que sécurité a retourné tout bon vrai. Ministère conditions femmes et droits femmes, déploré assassinat tragique et Jean Dran Simon, yon responsable institution qui placé dans bureau pour combattre la violence sous forme actifi, dans yon autre ministre et Marie-Françoise Suzanne Tessier, eh bien, yon mandé pour yon mener yon enquête pour yon capable arrêter et puis pini, moun qui commet Zaxila sous madame Sila. Yon ensemble des citoyens, les citations, qui continuent à gonfler voie dans le département de la Tibonite pour exiger autorité dans plus haut niveau. Pour permettre gain matériel qui vient de la police, pour permettre que la sécurité y retourne. La police, la médaille, militaire kenyan, yo blessé personne, pour qu'on ait contrôle, centre-ville là, tout bon vrai, c'est l'information que nous rivejoignons. Deux citoyens philippines kidnappés mardi passé. Ils étaient à bord d'un bateau, cargo qui a fait livraison, eh bien, et sous Port-au-Prince, eh bien, bandit kidnappé yo, ou jusqu'à présent, yo par contre, qui côté yo, non mais qui est-ce que yo, blessé personne, examen internet. Désir Venès, nous pouvons aller avec détails concernant tout ça, yo, mais entre temps, on nous font arriver dans la Cité Soleil, puisque pas oublier, en pile projecteur limé en dedans Cité Soleil, par rapport avec question insécurité, hein. Alors pas insécurité, mais bataille qui déclenche en dedans Cité Soleil, entre trois groupes gang qui opèrent dans, alors plusieurs groupes gang, mais entre trois quartiers, trois blocs en dedans Cité Soleil, eh bien, nous connaissons ça arrivé dans mercredi qui était 11 septembre, et toute la journée, qui n'est même, c'est exactement, et jeudi 12 septembre, non, bal continue à chanter dans la cité. Hein. Claude Adair, comment est-ce que Claude Adair?
Nous regardons avec Claude Abou. Et Claude Abou, là, oui? Nous la blesse. Nous en forme, Blaise. Et qui t'aime saluer. Et des UV Fenêtres. Et qui t'aime saluer tout internaute nous qui toujours ensemble avec nous. Et dans toute émission qui passait sous mes sacs nouvelles. Et j'en dis, j'en annoncé le Blaise Peterson sous ça qui gagnait. Et comme on dit, peut-être tout opposé et qui éclatait dans le comité soleil. Et même pas que d'où, juste tout cas après-midi là, dans les 6 heures, il y a un pile coup d'âme qui a tiré dans la communauté soleil. Un pile coup d'âme qui continue à chanter dans la communauté soleil, surtout dans la zone de Boston, dans Simon Pelé. Et même pas que d'où, pour quantité de coup d'âme, monsieur Boston, il a déclenché dans la zone Pelé, Pelé-Simon, les gens qui vivent dans la zone ça. Ou même yo obligé à commencer à quitter espace Pelé Simon pour capable à réfugier au Blaise Peterson dans zone Simon 0 dans zone Simon 0 qui c'est en gros en honnête là pour sortir sur route de l'aéroport presque et ben sur route de l'aéroport c'est Pelé j'aime lié et ben c'est là en pile monde yo même yo commencer à courir aller par rapport avec et ben coup d'âme qui continue à déclencher pour jusqu'à moment nous a parlé là oui toujours en pile détonation qui a fait dans la communauté soleil, surtout dans la zone Boston, dans la zone Pelé-Simon, jusqu'à moment où on a parlé là, n'est pas changé pour qu'on gagne un lien qui amélioré dans ça qui a passé dans la communauté soleil par rapport avec l'échange de tir qui a fait entre deux bandes armées. Il faut que nous disions, c'est surtout par rapport avec le championnat ça lui-même qui a été gagné dans la zone Simon. Mon Pelé, mais faut que nous c'était un match qui t'a joué dans un espace, dans l'école, mais qui dans zone dans Boston. C'est dans Boston, match lui-même, il t'a joué et l'école ça lui-même, l'irélé, voyez culturel Saint-Vincent de Paul. C'est dans l'école ça, match ça lui-même, il t'a fait. Match ça lui-même qui vit tourner, mal, qui tournait mal, qui la cause, mais toutes les blousages ça au même. Yo a pas fait, jusqu'à présent dans la communauté du soleil, pas gagné activité du tout. Dans la zone de Boston, dans la zone de Pelé-Simon, c'est un pile monde qui commence à courir surtout pour capable de quitter la zone Simon Pelé pour Jean Katouche. Lui-même, il continue à déclencher tout cas 4 heures, 6 heures dans l'après-midi, toujours gagné un pile détonation qui a fait dans la commune, dans la communauté du soleil par rapport avec M. Ameo. Yo même qui continue à troquer connu là jusqu'à présent pour qu'on capable de gagner une entente entre deux groupes ça entre deux zones ça qui est tout collé on capable dire zone ça même qui est tout collé face pour face c'est surtout route nationale numéro 1 qui est séparé deux zones ça jusqu'à présent coup d'âme lui-même il continue à tirer dans zone ci là. Ça veut dire là, et c'est pas seulement dans la soirée mercredi 11 ans, mais tout pendant journée jeudi 12 ans, et bal continue à chanter tout dans l'après-midi, qui va la chanter dans la zone ça. Oui, jusqu'à moment où on a parlé là, et jusqu'à après-midi à là, toujours gagné des donations qui a fait et dans la zone ça, mais c'est surtout M. Ameo qui toujours a fait échange de tir entre eux. C'est M. Ameo. Il faut que nous signaler, il faut que nous venions avec quelques informations, quelques détails sur ça qui gagne. Toujours maintenant et qui ça qui éclaté entre deux groupes gagnants. Enfin toujours gagné et gérant cimetière Douya là on est qui exactement dans Kafou Douya et qui recevra un cartouche dans tête qui mourit là où la blessure sonne exactement dans cimetière Douya. Il recevra un cartouche par rapport avec échange de tir qui a fait entre deux groupes gangs parce que nous tes doubles situation tout en dedans. Pas qu'un distriel sur la fille, Katouche a pas tombé tout en dedans d'Elma 19. Moun qui a vivé en dedans d'Elma 19 a lancé SOS par rapport avec Katouche qui a sorti tout en dedans Simon Pelé qui pral tombé en dedans d'Elma 19 dans tout d'Elma 17. Katouche.